une façon bien particulière de s'inviter dans l'univers de Flo Pluck. C'est une belle trouvaille que j'ai faite, en fait, sur le site toujours Piano Book, où on trouve effectivement un bon nombre de gratuités en format contact ou en format DS pour des sound samplers. J'ai trouvé celui-là de Luke Manns, qui est donc sa première contribution, je pense. Hein, je vais vous amener tout de suite sur le site pour voir un peu, tiens, vous voyez, c'est Flo Pluck. Pluck and Struck Sound Experiments. Struck Sounds Experiments. Donc, l'histoire comme telle, donc de négocier avec des éléments qu'il avait sous la main, et finalement pour aboutir avec quelques traitements, avec 5 patches, 5 timbres, électrique piano, donc on a sustain tremolo, mallet 1, mallet 2, qui sont des éléments plus rythmiques, et le bonus track que vous avez entendu en guise de mise en situation, mise en contexte. Donc, c'est un peu l'histoire de ce qui ressemble à cette création de Luke Manns, qu'on retrouve gratuitement sur le site Piano Book. Je vous ramène à la musique comme telle pour le faire jouer. Donc, ce que j'ai utilisé, moi, en guise de mise en contexte, mise en situation, j'aime bien utiliser des éléments qui appartiennent principalement à l'univers donc en cause, mais parfois avec quelques invités. Vous avez entendu les cordes, le piano, une batterie. Donc, la batterie qui est à partir du système, de l'application Logic. Je suis sur Apple avec Logic Pro. Et les autres sont donc avec Vault, que je vais vous présenter à l'instant. Donc, premier lieu, voici l'instrument numéro 1. Donc, j'aime bien, moi, le côté caractère analogique de ça. C'est ce qui m'a frappé. Donc, celui-là, il s'appelle Flo Pluck Bonus Synth Pluck. Donc, j'avais ajouté à ça un arpégiateur. Donc, je vous amène ici, tiens, pour vous le présenter. C'est un élément qui est inclus, donc, dans l'application Apple. Ce qui est particulier, celui-là, c'est qu'on peut se servir des éléments qui sont déjà préconfigurés, mais on peut aussi, au niveau du pattern, avoir soit le live, le grid, ou le custom que l'on fait soi-même en négociant, voilà, simplement les petits éléments qui sont là. Qui sont en fait le volume comme tel, avec évidemment tout le reste inchangé, variation, octave, paramètres, etc. Donc on peut le créer soi-même sur le vif pour donner un élément de répétition ou enfin d'arpège, ici dans ce cas-ci. Je trouvais que ça allait bien dans la nature du timbre comme tel. Donc si j'enlève l'arpégiateur pour vous permettre d'entendre. Vous voyez, le registre s'arrête au Do grave, celui-ci. Je trouvais qu'il y avait un peu de ça dans la nature du son comme tel. Le deuxième instrument que j'ai utilisé, instrument 2, qu'on retrouve ici encore avec l'arpégiateur. Je vais aller vous le chercher ici à l'écran. Le voilà qui s'en vient. Je l'ai mis sur l'autre écran pour ne pas trop surcharger l'ambiance. Ah oui, celui-là, c'est ça, il fait penser un peu à un son de flûte, ce qu'on a les flûtes dans les bouteilles là, quand on souffle. Un très beau timbre qui est fait à partir de mallettes, donc de baguettes. Ça peut faire penser un peu au marimba. Et j'avais mis aussi dans celui-là l'arpégiateur. Avec une autre configuration. Et pour la plupart des cas, je vais enlever l'arpégiateur. Pour la plupart des cas, on retrouve simplement au niveau d'accueil deux boutons, Delay et Reverb. Mais l'élément intéressant, c'est qu'à côté de chacun, on retrouve une petite fléchette qui nous amène à des choix secondaires. C'est-à-dire le premier bouton, on peut choisir Delay. Je vais vous mettre avec voilà le Delay comme tel. Et même chose avec le second.
Donc, on n'est pas obligé de prendre délai and reverb. On peut choisir ici, tiens, distorsion. Vous voyez qu'en enlevant le reverb, on trouve quelque chose de plus sec, mais avec distorsion maintenant. Bon, c'est sûr qu'un son sec comme ça, c'est peut-être mieux de choisir un élément qui est plus... bon, on le verra tantôt, dans un élément qui est peut-être un peu plus soutenu pour avoir... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, la petite fléchette, soit le premier ou le deuxième potentiomètre, nous amène à des choix secondaires qui sont à peu près les mêmes dans un et l'autre, c'est-à-dire reverb, delay, distortion and phaser. Et à la droite, bien, c'est le classique ADSR, attack, decay, sustain and release, qui nous permet donc d'avoir un comportement au niveau du timbre du son comme tel dans l'espace. Numéro 5, l'instrument 5, j'avais choisi, je vais aller vous le chercher ici pour voir... C'est ça. Numéro 5, j'avais choisi Electric Piano Sustain. Je vais enlever encore là. Vous savez que comment je suis un peu maniaque des arpégiateurs. Enfin, dans cet exemple, je trouvais que c'était pertinent. Ça fait penser un peu à soit un DX7. Il y a vraiment dans l'esprit de ce que l'on entend ici un caractère analogique, selon moi. Donc ici, j'avais délai, ici je vais chercher à titre d'exemple distorsion. Hein, ici, c'est plus... Hein, ici, c'est évident. Donc, distorsion. Donc, dans les deux cas, on peut avoir, comme je vous disais, dans tous les cas, delay, reverb, distorsion, phaser, l'attaque ADSR de l'autre côté. Et dans les autres, voilà pour ceux-là, je vais enlever ça ici. Numéro 6, c'était encore avec le pluck. Moi, j'aime bien ce genre de thème. Donc, on avait mallette 2 qui est le hit. Ici, j'avais pas d'effet. J'avais simplement le delay qui appartient à l'interface comme telle. Hein, qui donne un beau timbre. Et c'est à peu près l'essentiel de ce qu'on retrouve ici. Je vous ai fait entendre la plupart des instruments. Dans les invités, j'avais... De celui-là, je vais aller chercher ici, tiens, le Volt. Je vous ai parlé de cette drôle de collection qui vient de l'équipe de... c'est ça, l'équipe de... Enfin, de Christophe Henson, voyons, Christian Henson, j'avais un petit blanc, qui a fait donc une nouvelle parution avec une nouvelle compagnie, une autre histoire complètement parallèle avec ses activités de Spitfire Audio ou encore de Piano Book. Crown Hill Company, c'est-à-dire qui sort une nouvelle interface, nouveau lecteur, nouvelle histoire à partir d'une gratuité que l'on retrouve effectivement sur le site. Vous aurez accès au lien de téléchargement. Dans les médias, je vous parle, nous sommes en mars 2024. Il y a 5 éléments qui sont disponibles, le Grand, le RD Strings que l'on a entendu tout à l'heure, Celeste Atone pour un peu Celesta et le Shimmer Guitar. Un qui vient de paraître que je n'ai pas encore téléchargé, qui est l'élément percussif, je pense. Mais on voit que le piano sonne très bien. Avec des éléments d'ajustement qui sont aussi au niveau du timbre. Tous ces éléments sont assignables au niveau MIDI. Et contrôleur MIDI externe, sans aucun problème. Smash, Hair, Echo and Splash, qui ceux-là peuvent être soit un qui va vers l'autre, l'écho qui s'en va vers le splash, ou le contraire, le splash qui va vers l'écho. Ça peut être intéressant par moment pour donner la direction du thème, comment l'effet va accentuer ou affecter son suivant. Après ça, j'avais justement, tiens, dans le... Tiens, je vais enlever ceux-là pour... faire un peu d'espace. J'avais effectivement les cordes. Ah ouais, le registre est très bon.
j'ai choisi une entrée en situation, en contexte assez lente que l'on peut avoir avec ces éléments qui sont ici, qui sont encore là, signalés au niveau du midi. Et j'étais allé chercher simplement dans les books que l'on trouve sur au niveau de l'application Logic. On les retrouve ici avec les books. J'étais allé chercher un élément qui s'appelle Broken Battery Beat, qui est déjà une loupe qui est préconfigurée. Et à partir du moment où vous glissez sur votre fenêtre de travail, l'élément se transforme soit en élément audio, dépendamment du choix, ou encore ici, en élément MIDI. Donc, il nous permet d'avoir accès aux éléments qui appartiennent à cet instrument, qui donnait peut-être en bout de piste un élément peut-être un peu plus rythmé. Vous voyez ici la plateforme sur laquelle on peut choisir d'intégrer les rythmes que l'on retrouve ici en bas. Donc, c'était ma petite parenthèse avec encore là une belle gratuité que l'on retrouve sur le site Piano Book en format contact, donc disponible pour toutes les plateformes. Merci aux contributeurs. Merci dans ce cas-ci à Lucas ou Luc Mass, Mans, je ne sais pas si je prononce bien, Luc Mans, qui nous offre cette gratuité. Bravo pour son travail. Je trouve que les échantillons sont intéressants. Piano Book, on a une bonne quantité d'instruments virtuels qui sont disponibles gratuitement ou parfois à peu de frais. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un élément signifiant, quelque chose qui est différent des autres. Et je pense que dans ce cas-ci, FlowPlug amène quelque chose de différent à l'ensemble de ce qu'on peut trouver des propositions qui sont sur le site Piano Book. Donc, merci à tous ceux qui ont l'effort de le faire et la gentillesse de nous les mettre sous les doigts. À nous maintenant de retrouver comment on peut les intégrer, les insérer dans un élément artistique, composition musicale. Donc, à mon tour de vous remercier de votre écoute. Je profite de cette occasion pour vous saluer et je salue abondamment aussi mes nouveaux abonnés donc qui se joignent à ce groupe d'échanges, discussions, paramètres au niveau de tout ce qui s'appelle éléments intéressants hors des sentiers des grandes autoroutes. J'aime bien aller chercher des éléments audacieux qui nous amènent parfois à revoir, repenser la musique différemment, donc dépendamment du contexte. Donc, merci de votre écoute. Et j'espère recevoir de nouvelles bientôt. Je n'hésite pas pour me laisser un mot à l'occasion. Ça fait toujours plaisir. Et je n'hésite pas aussi pour partager la capsule et aussi d'aller télécharger, faire une bonne visite sur le site Piano Book. À mon tour de vous souhaiter bonne suite et surtout bonne inspiration. À très bientôt. Au revoir.